avec le capitaine qui a fait une excellente course, qui termine en troisième position. Simon, vraiment là, tu sais, souvent on disait « Ah, Simon, il est fort sur une piste collante, chose comme ça », mais ce soir, tu as montré à tout le monde que sur une piste glissante, tu pouvais être un excellent pilote. Oui, écoute, sur le bateau, on a mis l'hélice à 16 palettes, puis le bateau est avancé en salle. Écoute, ça allait super, super bien. Autant en bas qu'en haut, tu virais en haut, mais vraiment, là, comme tu dis, la glisse, tout, ça allait super bien. Oui, écoute, en haut, en bas, au milieu, c'est sûr que dans les lap-car, c'était pas tout le temps évident parce qu'ils sont venus vite, on était beaucoup. Puis, écoute, on a gardé le cap. On a gardé ça tête, conservateur, puis on a fini une belle troisième. Tu pensais-tu à un certain moment donné d'être capable d'aller faire Steve Bernier? Écoute, Steve a fait quelques erreurs. J'ai peut-être été trop conservateur, mais ça aurait peut-être fait d'autres choses. Puis j'ai conservé ça, on a fait une belle troisième, tout le monde est content. Le char est rond, on va continuer. Prochain défi, prochaine place? Vendredi prochain, Granby, samedi, Drummond. Bon, ben écoute, lâche pas Simon, on appelle ça être sur une lancée, sur une vague, surf là-dessus. Ben oui.